It's a beautiful day. It's a rather nice day. A day for a glorious wedding. A rehearsal, my dear, to be perfectly clear. A rehearsal for a glorious wedding. Assuming nothing happens that we don't really know. That nothing unexpected interferes with the show. And that's why everything, every last little thing, every single tiny microscopic little thing must go. According to plan. Our son will be married. According to plan. According to plan. Suite à l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Nous allons renforcer encore ce qui était lancé. Donc ce sont des actes qui sont attendus par nos concitoyens. Ces actes s'intensifieront. La situation appelle une stratégie de reconquête. Notre participation et notre bienveillance seront proportionnelles à la capacité du pouvoir à écouter et adopter notre plan de reconquête républicaine. Vous avez vu ces derniers jours plusieurs dizaines d'actions concrètes lancées contre des associations, aussi à l'égard d'individus qui portent un projet d'islamisme radical, c'est-à-dire une idéologie de destruction de la République. Dans son article 10, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 reconnaît la liberté d'opinion, et le texte ajoute « même religieuse ». Indirectement, ce texte fondateur de nos libertés publiques place donc la religion au rang des opinions, ce qui la rend, comme toute opinion dans notre société, naturellement sujette à critique. La nation tout entière se tient à leur côté et se tiendra pour que leur religion puisse continuer de s'exercer librement dans notre pays. Car notre pays, c'est cela, ce sont nos valeurs. Que chacun puisse croire ou ne pas croire, mais que chaque religion puisse s'exercer. Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres, pour notre goût de la liberté, pour cette possibilité sur notre sol de croire librement. Cette reconquête républicaine que nous voulons repose sur trois piliers. La restauration de l'État, la réaffirmation de la République, l'unité de la nation. Le terrorisme est un acte de guerre, il exige une législation de guerre. Procédure policière et judiciaire spécifique, possibilité de surveillance étendue, régime carcéral spécifique. L'État doit se réarmer. Renforcement des moyens de police nationale et municipale, comme de la gendarmerie, corps militarisé parfaitement adapté à ces situations. La République doit montrer toute la détermination dont elle est capable. La force légitime de la loi, dans son implacable rigueur. Pardon my enthusiasm. I like your enthusiasm. According to plan.